Aujourd'hui, je me fais une petite randonnée pêche. J'ai pris la canne. Je vais me balader. Je vais aller sur la côte sauvage hein, et je vais faire 2-3 petits coups de ligne sympa. Prendre un peu le tout venant. Je pêche pas le bar là, je m'en fous. On va voir, je vais peut-être prendre des encornés, on verra. Allez, c'est parti, Thibo pêche. Le chemin est un peu chaotique, hein, mais c'est ça qui est agréable aussi. Alors, aujourd'hui, bon, ça bouge pas trop mal hein, quand même. Et souvent, je fais les poissons en face là. Il y a du bar, l'eau elle est dégueulasse, donc ça, c'est pas terrible pour pêcher aux leurres dures. Hein. Puis il y a quand même du vent, je vais pas réussir à trop l'envoyer. Donc ce que je vais faire un petit montage. Je vais pêcher avec un vieux leurre là que j'adore, le raglou, avec toujours mon fil noir et je vais balancer avec l'aide d'un plomb. Voilà, je vais faire un petit montage rapidos. Un plomb avec 30 cm de fil. Émerillon, c'est un émerillon double, hein. Ça vient d'AliExpress. Alors vers le haut, ça va vers la canne, donc ma canne a fait 2,40 m, 10-30 g. Et un long bas de ligne avec au bout le petit raglou. Le raglou, j'ai mis à 8,5, comme ça bouge pas mal. On peut mettre des tout petits, hein, ça marche vraiment pas mal. Hein. Voilà l'arme mortelle. C'est beau, hein? Allez, on change de poste. On va faire 2-3 lancers par là. On va voir ce que ça donne. Ça devrait pas être dégueu, ça fait longtemps que je peux pêcher là. On s'est mis aux appâts parce que l'eau elle est dégueulasse. Mais c'est pas grave. Youhou! Ça c'est pour Fabien la petite descente là, ça devrait lui plaire. Ah Fabien, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Un joli couloir. Ça bouge hein, là c'est un jour pour pêcher le sar. L'eau elle est jaune. Elle est jaune la flotte. Allez, on va tout de suite balancer un coup de leurre là-dedans. On verra bien. Je suis un peu haut, va falloir aller doucement. Donc raglou. Raglou power. Fish home. Ça tire pas mal hein. Premier lancé là dans le coin.
Fishon. Je pense que c'est un macro ou quelque chose comme ça. Sympa. Ouais, c'est un macro, je pense. Je défends très très bien. C'est sympa pour. Petit macro. Petit macro sur un petit teaser. Ouais, il y en a deux même. Hop là. Petit doublé. Doublé de macro. Voilà. Un sur le teaser. Ça, c'est un montage que je vous conseille, mortel. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on tue un macro tout de suite. On lui retourne la tête. Tac. C'est un peu sauvage, mais au moins, il est mort. Donc voilà la ligne, un petit teaser. Et derrière une cuillère un peu lourde, c'est une liane. C'est une vieille cuillère ça. Voilà. C'est joli hein. Petit bob pêche. Allez, je le tue, regardez comment on tue un macro. Pop, on retourne la tête. Ça y est, il est mort. Ça va vite. Hein. Pas d'excuses pour pas tuer les bêtes. Fichon. Oh là là, ça tire. J'en aurais bien deux là. En contre-jour. Qu'est-ce que ça a pris? Macrotte, deux macros encore. Super, vous avez de quoi manger là. Hop. C'est bon en plus. Hein. Tac. Voilà. Deux beaux petits macros encore. Super. Ben voilà, ça fait de quoi manger, un petit repas. Montage simple mais très très efficace ça. Voilà. Je vous remontre comment on tue un macro. Les gars qui aiment bien faire ça quoi. Non, allez, c'est magnifique comme poisson le macro. Regardez. Hop là. Thibaut pêche. Je retourne la tête, il est mort lui, ça y est. Celui-là on va même le tuer avant de le décrocher. Tac, voilà. Heureusement qu'ils sont là les macros aujourd'hui. Ils me sauvent de la bredouille. Poisson encore. Qu'est-ce que ça tire les macros hein. Qu'est-ce que ça tire. Bon, ça me demandait si c'est un macro celui-là. Ils sont bien, mais il a été ses patates. Voilà. Voilà. Bon, encore deux. Ça va faire un bon petit repas. Voilà. On va les éviter. Un macro pris avec la bonne vieille liane en 30 grammes avec un fil tout noir comme toujours là en ce moment. C'est beau les macros, hein. Quel beau poisson. Hein. Bon celui-là je vais le remettre tout de suite, il est pas très gros. Hein. Ça sert à rien de garder, j'en ai assez là. De se mouiller les mains. Allez, c'est fragile les macros. Bon, on va arrêter là, j'ai assez de poissons. Il y a que des macros de toute façon, on va pas...
J'ai pris, il est beau celui-là, un beau macro. Harponné, mais macro quand même, et il est beau. Oui, macro, c'est bien, on va arrêter comme ça, c'est très bien. Bon, alors moi, ce que je fais, c'est que je vide toujours mes poissons au bord de l'eau. Donc là, il y a des mares, c'est parfait. Sinon, j'ai toujours un petit seau. Voilà, là, le seau, je l'ai rempli avec de l'eau, et puis je mets les poissons. J'ai une corde, sinon, hein, si je suis trop haut. Donc je vide toujours mes poissons au bord de l'eau, comme ça, ben, quand j'arrive à la maison, c'est frais, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc les têtes, je les enlève. Là, il y a des goélands, là, on va leur donner, ils seront contents. Voilà, les gars. Il arrive tout de suite, lui. Hein. Allez, mange, faut que tu grossisses. Voilà, vide les boyaux. Je vais leur laisser, ils vont venir, de toute façon, après. Hein. Voilà. On rince bien. C'est plus propre hein, de les rincer tout de suite. Là je suis en vélo, faut que je rentre chez moi après un peu de route. Tac, une petite tête. Tiens petit gars, hop. Miam miam, bah, il y va direct, hein, ça traîne pas. Hein. Voilà. Ça on voit pas beaucoup dans les vidéos des gars qui vident leurs poissons comme si c'était sale. Donc bah, c'est bien, faut le faire. Hein. Je mets ça dans le seau, je vais baisser pour qu'on voit mieux. Alors, coupage de tête. Crunch. Cette vidéo est déconseillée aux enfants, aux petits-enfants. S'ils voient du sang, c'est pas bon. Et aux petites ménagères aussi, parce que... Bon, après, je comprends qu'il y en ait qui aiment pas ça. Hein. Voilà. Alors, les macros, je vous conseille aussi de les faire au courbouillon. C'est très très bon et puis ça change parce qu'on dirait que c'est pas un poisson gras. Donc vous faites chauffer votre courbouillon, donc de l'eau, vous pouvez mettre un peu de vin blanc avec du laurier, tout ça. Et puis vous pouvez même éteindre le feu quasiment. Faut pas les cuire beaucoup, c'est meilleur. La chair est délicieuse comme ça. Allez, maintenant on va donner à manger à ceux-là. Tenez, hop là. Tiens mon grand. Voilà, ça profite à tout le monde. Rien n'est perdu. Donc avec un montage très très simple, hein, avec une bonne vieille Yann en 30 grammes. Je vais vous montrer le montage. Toujours, je pêche toujours avec le nylon qui est tout noir. Hein. C'est celui-là là, de Décathlon. Hein. Voilà, enfin bon pour les macros, hein, je crois que même avec du fluo. Donc voilà. Ça c'est la Yann. Alors je mets un bout de Scooby-Doo pour protéger le nœud. C'est un nœud de cuillère. Donc le nylon noir, il est en 30 centièmes. Et plus haut, bah, j'ai mis en sauteuse, j'ai mis un raglou. Bah, il est cintré là. Normalement, il faut qu'il soit bien plat. Hein. Donc c'est un tout petit, celui-là il doit faire 6,5. Hein. Ça marche très très bien. Voilà. Il est sur, je sais pas, il y a même 10 cm de nylon noir. Voilà. Un montage simple, efficace, qui a fait ses preuves. Je suis content. J'ai pêché un peu de poisson quand même. Hein, parce que là, c'était c'était vraiment pas gagné. Hein. L'eau était sale. Il y avait... J'avais pas de touche, rien, sur les endroits où il n'y avait pas beaucoup de fond. Puis là, il y a un couloir où il y a pas mal de courant. C'est un très très bon endroit, même pour la plongée, là, c'est connu. Hein. Donc, bah, il y avait les macros qui m'ont sauvé de la fredouille, et puis j'ai passé un bon moment, donc vraiment super. Donc, bah, abonnez-vous, un petit pouce, là, pour que je sois référencé, que mes vidéos, elles montent, qu'elles soient au top. Vous mettez des commentaires si vous voulez, je réponds. Hein, tant que j'ai pas trop d'abonnés, je peux répondre. Après, je pourrais peut-être plus. Hein. On sait jamais. Allez, les gars. Je vous dis merde pour vos sorties et puis à bientôt. Bye. Dire qu'il y en a qui font la gueule quand ils chopent des macros.